de la constance et de la réactivité. C'est ce qu'on retrouve dans ce budget, c'est ce que traduit ce budget. De la constance parce que le fil rouge qui lie ce budget aux trois précédents que nous vous avons présentés, c'est bien sûr le fil rouge du redressement financier. Je vous rappelle que, ça a déjà été dit lors du débat d'orientation budgétaire, le budget que nous vous proposons aujourd'hui conduira, nous l'espérons, s'il est adopté, à un désendettement net de 1,6 million d'euros pour la ville de Saint-Dié-des-Vosges, pour chacun de ses habitants, avec notamment des conséquences et des signes, car il y a bien sûr ce qui vient de la bouche du maire, on a le droit d'en douter, on a le droit d'estimer que les choses sont présentées de façon avantageuse, et puis il y a les messages qui nous sont envoyés par l'extérieur. J'en prendrai un sur la qualité de ce redressement financier que d'aucuns parfois ont pu contester ici autour de cette table avec des arguments que je veux croire de bonne foi. Nous empruntons pour la ville de Saint-Dié, évidemment, même si nous désendettons en net, mais nous empruntons pour financer une partie de nos investissements. Et vous vous souvenez qu'il y a bientôt 3 ans et demi, quand cette municipalité est arrivée aux responsabilités, nous avons eu les plus grandes peines du monde pour trouver des banques qui acceptaient de prêter à la ville de Saint-Dié-des-Vosges. Et c'est d'ailleurs parce que nous avons eu les plus grandes peines du monde à trouver des banques qui acceptaient de nous prêter de l'argent que nous avons conclu ce protocole d'accord avec la Caisse d'épargne qui sécurise à 6 ans une partie des emprunts, d'un emprunt qui était considéré à l'époque comme toxique et qui l'aurait été. C'est pour trouver cette capacité de financement, parce qu'aucune banque ne voulait nous prêter de l'argent, que nous avons dû recourir à cette solution, même si elle s'est avérée par la suite très bénéfique pour les finances de la ville de Saint-Dié-des-Vosges. J'ajoute que, alors même où nous parlons, et même si le contexte financier, le contexte économique a changé depuis désormais plus d'un an, au niveau de notre pays comme au niveau européen et international, eh bien j'ajoute que malgré ce changement, un certain nombre de collectivités se trouvent dans les plus grandes difficultés pour emprunter de l'argent aujourd'hui sur le marché bancaire, et que c'est notamment le cas, par exemple, de notre hôpital, qui a beaucoup de mal à emprunter de l'argent sur le marché bancaire, parce que sa situation est jugée, malgré des efforts de redressement très importants qui ont été conduits ces dernières années, sa situation est jugée encore difficile et précaire. Pour ce qui nous concerne à la ville de Saint-Dié-des-Vosges, nous sommes aujourd'hui, pour financer les investissements de l'an prochain, en discussion pour emprunter de l'argent avec un certain nombre de banques, et nous avons eu la grande satisfaction, parce que c'est un message qui nous vient de l'extérieur, nous avons eu la satisfaction de noter que plusieurs banques, 6 ou 7 je crois, nous ont retourné des réponses pour nous prêter de l'argent pour financer ces investissements, et à des taux extrêmement raisonnable, je parle sous votre contrôle, monsieur l'adjoint, à 1,6% ou 7%, 1,27%, 1,27%, donc très dans des taux qui sont tout à fait raisonnables. Ce qui montre quoi? Ce qui montre que quand on est banquier et qu'on regarde la situation de la ville de Saint-Dié-des-Vosges aujourd'hui, on se rend compte qu'elle n'est plus la même que ce qu'elle était il y a 4 ans et qu'elle est meilleure. Elle est meilleure sans qu'elle soit nécessairement bonne, mais en tout cas, ce taux de 1,27%, ce fait que les banques répondent à la demande que nous faisons, signifie tout simplement que les efforts qui sont faits sont reconnus par l'extérieur, et notamment par un marché qui, je crois, n'a pas pour habitude de faire du sentimentalisme, c'est-à-dire le marché bancaire. Donc, pour cette année 2018, dans ce budget 2018, il y a de la constance, puisqu'il y a ce 1,6 million de désendettement, cette volonté de continuer les efforts budgétaires pour que la situation financière de la ville de Saint-Dié-des-Vosges s'assainisse, pour qu'on revienne à une situation qui au moins serait celle de la ville si nous n'avions pas connu ces 10 millions d'imprévus graves qui étaient contenus dans le budget 2014. Et puis je disais qu'il faut de la réactivité aussi. Quand on conduit une équipe municipale, quand on participe, comme les élus qui sont ici autour de la table, à l'action municipale, il faut de la réactivité, puisqu'il faut toujours un projet d'avance. Il faut toujours se tenir prêt à ce que, quand la politique nationale change, à sortir des tiroirs des choses qu'on a préparées,
à se tenir prêt à faire financer des opérations qu'on estime nécessaires pour sa ville. Et c'est vrai que nous avons entendu avec beaucoup d'attention, il y a 2 ou 3 jours, des déclarations du ministre de la Cohésion des Territoires appelant à un plan d'action en faveur des centres-villes. Et nous pouvons dire que cette stratégie du cœur de ville et de la dynamisation de la ville, nous l'avons conduite depuis déjà 3 ans et demi, de façon parfois diffuse, j'aurai l'occasion d'en dire, mais ce sont aussi les petites rivières qui font les grands fleuves. Et aujourd'hui, nous sommes en mesure de dire qu'au cours de l'année 2018, nous allons élaborer ce grand plan de redynamisation du centre-ville que nous avons déjà esquissé et qui nous permettra de bénéficier en 2019, nous l'espérons, du concours d'un certain nombre d'acteurs publics. Le redressement financier, donc, il va se poursuivre, vous l'avez compris, au cours de cette année 2018. Il demandera à chacun des services de la ville de Saint-Dié-des-Vosges des efforts importants pour rechercher les économies qui peuvent être réalisées à travers des groupements de commandes, à travers la discussion qui peut être opérée sur les quantités qui sont utilisées pour ou le nombre de personnel qui sont déployés pour répondre à telle ou telle demande. Je prends cet exemple qui n'a l'air de rien, mais cet exemple que nous faisons sur tous les chantiers de la ville de Saint-Dié-des-Vosges, où nous procédons à une évaluation contradictoire des quantités de matériaux qui sont utilisés par les entreprises que nous faisons intervenir. C'est-à-dire que nous évaluons, par exemple, de combien de gravier on a besoin, de combien de béton on a besoin pour faire ces investissements, ce qui nous a permis à plusieurs reprises de faire des économies très substantielles. Et j'en remercie chaleureusement Monsieur l'adjoint aux travaux notamment. L'une des pistes également d'économie au cours de cette année 2018, ce sera l'externalisation de certains services que nous allons tester peut-être de façon expérimentale, parce qu'il ne faut rien s'interdire du moment que la qualité du service public reste rendue dans de bonnes conditions. Et puis, il y aura bien sûr des économies en matière de frais de personnel que nous espérons pouvoir continuer avec des effectifs ajustés au plus juste et notamment des remplacements qui ne se feront pas à l'unité près, comme c'est le cas d'ailleurs à Saint-Dié depuis le début de ce mandat. Deuxième point très important dans la constance, vous vous en souvenez, dans le projet qui a été ratifié, voté, approuvé par une majorité de Déodaciens en 2014, dans le projet que nous avons ensuite décliné, budget après budget, dans le projet que nous avons présenté, sur lequel nous avons insisté, il y avait le redressement financier, la qualité de vie et l'attractivité. Dans ce budget 2017, on retrouve cette priorité à la qualité de vie, puisque le budget de voirie y connaîtra une augmentation très sensible, passant de 1 million d'euros à 1 500 000 euros, soit plus du tiers du budget d'investissement. Je vous rappelle qu'en 2014, nous avions 300 000 euros de budget de voirie, et donc qu'entre 2014 et l'année 2018, le budget de voirie de la ville de Saint-Dié-des-Vosges aura donc été multiplié par 5, ce qui n'est pas négligeable. Et nous savons combien, dans notre budget, coûte cette charge, et ce que représente cette charge, puisque je ne sais plus qui me disait l'autre jour que l'évaluation que nous faisons de cette charge se chiffre à 20 millions d'euros de retard de travaux en matière de voirie qui nous reste à rattraper au cours des différents mandats que les Déodaciens voudront bien nous confier. 1,5 million d'euros, c'est donc 33% de plus, et cela nous permettra d'engager des opérations très ambitieuses en matière de rénovation de la voirie, pas seulement dans quelques quartiers, mais dans différents quartiers, nous essayons de le faire, dans différents types de rues, des rues qui desservent uniquement des zones pavillonnaires, comme ça a pu être le cas par exemple l'an dernier, pour la rue du Champ des Alouettes ou le chemin des Écureuils, ou des axes qui desservent des lieux qui sont utilisés par les Déodaciennes et Déodaciens pour leurs loisirs, je pense au chemin du Cambert, ou encore des rues plus structurantes, comme par exemple la rue Aristide-Briand ou la rue de Foucharu, qui a été complètement revue et sécurisée aux abords de l'école Georges-Darmois. Dans les opérations les plus emblématiques de l'année
2018, il y aura la réfection de la rue du lieutenant Bachelier à Foucharu, de la rue de la Ménantie en cœur de ville, rive gauche, de la rue Revel et du chemin de la côte Callot, à proximité donc du cimetière de la rive droite. Nous aurons l'occasion de présenter ce plan voirie plus en détail le moment venu. Mais c'est un effort considérable qui est fait pour ce cadre de vie, pour la réfection des routes qui en ont tant besoin dans notre ville. Et donc plus 33% d'augmentation de ce budget par rapport à l'an dernier. Cadre de vie aussi parce que le budget que nous vous proposons, qualité de vie, le budget que nous vous proposons prévoit la poursuite de l'investissement en matière d'éclairage public, avec un renouvellement de cet éclairage public, de lampes sodium qui passent à des lampes LED, qui éclairent mieux juste en dessous du point d'éclairage et qui permettent donc de rouler notamment dans de meilleures conditions et de réaliser des économies d'énergie à court et moyen terme. 270 000 euros y seront consacrés au cours de cette année 2018 encore. Cadre de vie et qualité de vie, puisque le budget alloué à la vidéoprotection connaîtra une augmentation sensible au cours de cette année 2018 avec 40 000 euros de plus, 140 000 euros, plus 40% par rapport à l'an dernier, ce qui nous permettra de rénover en partie le système central de vidéoprotection et de déployer des caméras nouvelles, notamment, je crois, à Kellermann, monsieur l'adjoint au maire, le premier adjoint. Qualité de la vie et cadre de vie, avec l'aménagement également des parcs sur l'emprise du Bourgogne à Kellermann et à Lorme, et puis la réfection d'aires de jeu à Saint-Roch, par exemple. Toujours qualité de vie et cadre de vie, et je dirais surtout qualité de vie pour les enfants, ces investissements importants qui seront déployés dans les écoles, vous l'avez vu, 264 700 euros d'investissement. C'est un montant considérable qui nous permettra notamment de financer des études pour la réfection de l'école Clémencey, études qui conduiront, vous le savez, à ce projet de regroupement des écoles d'Armois et Clémencey que nous avons évoqué à plusieurs reprises devant ce conseil municipal. Et puis des travaux d'isolation seront conduits notamment à l'école Paul Elbel, à l'école Jacques Prévert, et puis d'autres travaux auront lieu dans d'autres écoles. S'agissant de l'attractivité, qui était le troisième pilier sur lequel nous avons construit notre action. Redressement financier, qualité de vie, attractivité. Beaucoup a déjà été fait. Et par exemple, en préservant la stabilité fiscale par rapport au bloc communal, là où beaucoup de villes augmentaient les impôts en début de mandat. Je fais référence ici à beaucoup de villes proches ou plus lointaines. On se souvient de l'augmentation spectaculaire en 2014 des impôts pour la ville de Toulouse, mais c'est vrai aussi de plusieurs villes moyennes. Nous avions fait le choix en début de mandat de promettre aux Léonaciens la stabilité fiscale, y compris en assumant la baisse de 5% de la taxe foncière et de la taxe d'habitation qui s'appliquait en 2014. Nous avons assumé cette baisse et nous ne sommes jamais revenus dessus. La stabilité fiscale, donc, a contribué sur le long terme à cette attractivité, même si elle n'a pas d'effet magique, comme j'ai eu l'occasion de le dire lors du conseil municipal précédent. Pour l'attractivité de notre centre-ville, nous avons également réformé le stationnement, vous vous en souvenez, dès l'année 2014, puis en 2015, en rendant gratuites plus de 500 places de stationnement, en rendant le stationnement gratuit après 15 heures le samedi et après 18 heures tous les jours. Nous avons également réformé le système de cadeaux pour les employés municipaux, permettant d'injecter dans le commerce des Audaciens et non plus dans le commerce au sens large, puisqu'il n'y avait pas de préférence jusque-là, plus de 37 000 euros. Nous avons créé l'été en grand pour amener des animations tout au long de l'année dans le centre-ville. Nous avons engagé la phase 1 du cœur de ville avec la création d'un très grand jardin d'enfants sur le parc situé à rive gauche. Et quand on sait que les enfants viennent, on sait que les parents viennent. Et quand les parents viennent, ils consomment. C'est donc une action que nous avons engagée en faveur de la redynamisation du centre-ville. Et nous avons également engagé la labellisation du centre-ville de Saint-Dié-des-Vosges, patrimoine du XXe siècle, que nous avons obtenu au cours de ce mandat. J'aurais pu également mentionner, au titre de l'attractivité et de la dynamisation du centre-ville,
mais de la ville en général, la baisse du prix de l'eau, spectaculaire. Beaucoup de déodaciennes et déodaciens s'en sont ouverts auprès de moi, avec, pour une famille avec deux enfants, une économie moyenne entre 120 et 160 euros sur un an. Alors cette année, dans ce budget 2018, cette dynamisation, cette volonté de dynamisation du centre-ville, à travers l'objectif de l'attractivité, se manifeste de façon très nette et donnera à voir beaucoup de grues, beaucoup de pelleteuses et beaucoup de travaux dans les rues de Saint-Denis-des-Vosges. D'abord des travaux rue Dauphine. Et ce sera l'un des volets de la phase 2 de notre cœur de ville. Rue Dauphine parce que c'est la décision que nous avons prise ensemble d'étendre le réseau de chaleur et de l'amener jusqu'au centre-ville qui nous y conduit, puisqu'il faudra bien creuser des sillons. Et donc nous repenserons la voirie rue Dauphine afin de créer, nous sommes en train de travailler là-dessus, une piste cyclable et d'implanter plus d'arbres dans cette rue, refaire complètement la physionomie de cet axe structurant de notre ville. Dans cette phase 2 du projet Cœur de Ville, nous trouverons également l'investissement et la création d'un skatepark qui sera situé dans le parc Jean Mansuy pour un investissement de 450 000 euros l'an prochain, donc en 2018, une promesse qui sera réalisée au cours de cette année, ce qui représente pour cette phase 2 du projet Cœur de Ville un peu plus d'un million d'euros en comptant les travaux rue Dauphine et les travaux du skatepark. L'année 2018 amènera également la phase 1 des études sur le pôle gare, vous le savez, avec les premiers travaux qui auront lieu sur le pôle gare, non pas sur des financements municipaux, mais je le dis tout de suite, sur les financements de l'établissement public foncier Lorrain, que j'ai encore rencontré ce matin, qui m'a confirmé que des travaux commenceraient en septembre 2018 avec la destruction d'une grande partie des bâtiments gondrants afin d'aménager des parkings sur cet espace, une grosse centaine de places donc pour cette gare. Et la ville de Saint-Denis-des-Vosges, pour sa part, conduira des études pour phaser et réaliser des travaux sur une autre partie de l'emprise. Cette année 2018 verra également l'augmentation de la subvention qui sera attribuée à l'Association des commerçants de la ville de Saint-Denis-des-Vosges afin de lui permettre de pouvoir mener des actions plus dynamiques d'animation. Elle le fait déjà de façon considérable et très engagée. Je tiens à remercier très chaleureusement son président Michel Valério, ainsi que l'adjointe déléguée à l'animation du centre-ville, Marie-Josée Loudy. Mais donc nous avons fait le choix, dans un contexte de subvention des associations qui est plutôt à la stabilité, vous le savez, d'augmenter la subvention de l'UDAC et de la faire passer de 12 000 à 20 000 euros, ce qui est une augmentation très, très considérable, de près de 66% de la subvention de l'association des commerçants, qui devrait lui permettre de mener des actions d'animation en centre-ville, des actions repensées et nouvelles. Cette année 2018 verra également un certain nombre, vous le savez, de réflexions. Et ce sera l'année, pour ce qui concerne la ville de Saint-Denis-des-Vosges, de l'élaboration d'une stratégie de redynamisation globale et complémentaire de ce que j'ai déjà annoncé de notre centre-ville. Dans ce cadre, nous bénéficierons du dispositif Atelier du territoire, pour lequel nous avons déposé un dossier de candidature en mars 2017 et pour lequel nous avions déjà bon espoir d'être retenus à cette époque. Atelier du territoire qui permettront de lancer un grand débat avec les associations, avec la population, avec les acteurs du monde économique et culturel pour penser l'avenir de notre centre-ville et œuvrer à sa dynamisation avec un plan d'ensemble et ambitieux à partir de 2019 et qui courra bien sûr en 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Cette année 2018 verra aussi un certain nombre de travaux qui animeront les rues des Audaciennes, mais qui ne seront pas financés par la ville, mais je tiens quand même à les mentionner parce que ce sont des investissements pour certains sont d'ampleur. La destruction du garage Brèche rue de la Ménantie, afin de dégager de l'emprise foncière pour le pôle de l'enseignement supérieur en cœur de ville. Les premiers travaux qui auront lieu à la Boussole, dans l'ancienne chambre de commerce et d'industrie, ancien tribunal de grande instance et ancien commissariat de police. Premiers travaux donc qui devraient voir le jour dans ce bâtiment, anciennement bâtiment Copernic, à partir d'avril 2018.
des travaux dans les deux bâtiments administratifs de la communauté d'agglomération que nous avons fait le choix, et je l'ai défendu ce choix très fortement, d'installer en plein cœur de ville, place Saint-Martin et rue Carbonard. Et puis l'année 2018 verra également signal très positif pour notre ville, même si ça ne figure pas dans ce budget, le retour de liaisons régulières à 5,5, en fait à 5 ou 6 selon les jours, liaisons et aller-retour vers Strasbourg grâce à un investissement de 13,4 millions d'euros de la région Grand Est aux côtés de SNCF Réseau. Voilà, vous le voyez, vous l'aurez compris, le redressement financier est un fil rouge dans ce budget par rapport aux budgets qui ont précédé. L'amélioration de la qualité de vie, notamment avec cette priorité très forte donnée à l'investissement dans la voirie, et je sais que M. Caclin s'en réjouira, cette augmentation très forte du budget voirie nous permettra donc d'améliorer la qualité de vie, comme d'ailleurs l'éclairage public, la vidéoprotection et l'aménagement de nouveaux parcs dans les quartiers politiques de la ville. Et puis nous avons cette stratégie de dynamisation du centre-ville qui était déjà engagée depuis 2014, mais qui nous conduira à investir massivement rue Dauphine pour le skatepark, phase 2 du projet donc cœur de ville, et puis avoir des travaux importants sur un certain nombre de bâtiments emblématiques de notre ville. C'est une grande fierté pour moi de conduire cette équipe, je l'ai déjà dit, que les relations et la politique qui est conduite par la ville de Saint-Denis-des-Vosges changent de forme aussi sous l'effet de la mutualisation avec l'agglomération, parce que la façon d'exercer le mandat de maire change aussi, et que désormais il faut co-construire beaucoup de projets, mais que cette façon de piloter la ville, c'est celle que nous avions ensemble imaginée, un travail plus collectif, un travail en réseau, avec des villes de la même taille que nous, des villes plus grandes, avec le département qui nous appuie beaucoup, beaucoup plus qu'avant 2014, avec la région qui nous appuie aussi, et que donc ce travail nous conduit aujourd'hui à présenter ce budget, qui est un budget ambitieux, malgré l'incertitude très forte qui pèse sur nos financements, et c'est donc le signe que l'ambition et le volontarisme payent, même si, encore une fois, le redressement prendra du temps, et prendra même plus de temps que le terme de ce mandat. Les efforts sont à conduire maintenant, ils seront à conduire pour encore quelques années. Et ensuite, on pourra se contenter de gérer les finances de la ville de Saint-Denis-des-Vosges en bon père de famille. Aujourd'hui, c'est plus qu'un bon père de famille qu'il faut être. Il faut être un gardien vigilant.